Bonjour à tous, j'aimerais continuer sur le sujet de la prière et plus particulièrement la prière qui est un style de vie. Et il y a un personnage qui me parle énormément, c'est Daniel. Et Daniel, il a été déporté, il a servi l'administration babylonienne, il vivait dans une société de compromis, une société d'idoles, et je pense que c'est pas différent de ce que nous on vit. Et Daniel, pourtant, il était très occupé, mais 3 fois par jour, il prenait le temps, il venait dans l'intimité, il priait, il se mettait à genoux. Et dans Daniel 9, au verset 17, Daniel, il vient devant le Seigneur et il vide son cœur. Et il y a quelque chose qui me marque, c'est qu'il connaît la nature du Père. C'est dans son amour infini. Il lui dit, dans ton amour infini, viens répondre. Et là, Gabriel, l'ange, apparaît et lui dit, ta requête, ta prière a été entendue parce que le Père t'aime, parce que le Seigneur t'aime. Et j'aimerais vous encourager, parce que vos requêtes montent jusqu'au Père et le Père les entend. Parce qu'il vous aime.